Bonjour à tous et bienvenue sur InfoNews, la chaîne des rumeurs, des actualités et des potins de vos célébrités préférées. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner et à la commenter. Le monde politique français et la France tout court sont en ébullition depuis dimanche 9 juin. Alors que le Rassemblement national est arrivé en tête des élections européennes, Emmanuel Macron a pris une grande décision, controversée, celle de dissoudre l'Assemblée nationale. Conséquence directe, le 30 juin et 7 juillet, les citoyens français sont appelés à voter. En vue de ces élections législatives, la gauche fait front. La partie socialiste, la France insoumise, les écologistes et le parti communiste se sont alliés. Ce mardi 11 juin, sur les ondes d'Europe 1, Pascal Praud recevait Florence Mocinino-Portelli à donner son avis. Monsieur Praud, là, je vais vraiment me mettre en pétard. Pas moi, il y en a bien un fustige règlement, la France insoumise, c'est moi. Je suis sur le terrain, je peux vous dire que c'est mon premier ennemi, balance la vice-présidente. Mais j'ai aussi une opposition de gauche et j'ai gagné une ville à gauche plurielle. Merci à tous d'avoir aidé la vidéo, n'hésitez pas à la liker.